Comme chaque dimanche, place au sport bien sûr, avec du basket, de la French Cup et puis un champion en titre de la saison de Formule de l'an passé, Pierre Gasly, et l'espoir du sport auto en Normandie, c'est l'invité de ce 19-20. Allez, place maintenant à notre invité Pierre Gasly, bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va préciser que vous êtes pilote automobile, que vous êtes Rouennais, que vous avez presque 21 ans et surtout que vous êtes champion du monde de GP2. Alors d'abord, parlez-nous de ce titre que vous avez décroché en novembre dernier, la plus belle ligne à votre palmarès. Comment vous l'avez vécu, ce titre, comme une première consécration? Ça a été vraiment le meilleur résultat de ma petite carrière, on va dire, jusqu'aujourd'hui. Ça a été une année exceptionnelle avec plein de victoires, de podiums, pole position, et c'était important pour moi vraiment de gagner ce championnat du monde pour pouvoir me donner toutes mes chances pour accéder à la F1. Et voilà, ça a été une année fabuleuse avec beaucoup de pression et un énorme résultat à la fin, donc c'était vraiment satisfaisant. On précise que c'était votre deuxième année en GP2, que ce sera d'ailleurs la dernière, puisqu'un vainqueur, hein, c'est le règlement qui veut ça, ne peut pas courir une troisième année. Alors donc, place maintenant à la Super Formula au Japon, ça paraît un petit peu exotique. Pourquoi ce choix un peu particulier? Malheureusement, il n'y avait pas d'opportunité pour la F1 en 2017, donc il a fallu trouver une autre option. On a regardé avec Red Bull les différents championnats pour pouvoir se préparer au mieux pour la Formule 1 dans le futur. Et voilà, ça faisait partie de la meilleure option. C'est ce qu'a fait le champion GP2 en 2015, Stoffel Vandoorne, qui est parti au Japon et qui est aujourd'hui en Formule 1 à côté de Fernando Alonso chez McLaren. Donc je vais courir en Super Formula cette année avec Honda. Le team sera annoncé la semaine prochaine. Pierre Gasly, l'objectif, évidemment, vous l'avez dit, hein, c'est de trouver un baquet en F1 très très prochainement. Il est compliqué ce milieu, hein. Vous l'avez découvert, entreaperçu là, avec des tests que vous avez pu faire avec Toro Rosso, je crois, et Red Bull. C'est vraiment un monde à part, un monde impitoyable. C'est clair que c'est impitoyable et puis voilà, c'est très dur, il y a très peu de place, il y a 20 baquets en F1 et ça tourne pas tous les ans, on va dire il y a des années des pilotes s'en vont, d'autres années où il y a très peu de place de libre. Je suis contractuellement avec Red Bull, donc pour moi je suis vraiment focalisé à fond là-dessus. Ils ont 4 baquets en F1 et voilà, j'espère que ça va bouger rapidement et que j'aurai une opportunité à saisir très prochainement. Mais écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va continuer à suivre votre carrière et on va préciser donc que la saison débutera au mois d'avril. Hein, c'est ça pour oui, la Super Formula. Première course mi-avril. Et au total, 9 Grands Prix. Merci beaucoup d'être passé par ce plateau et on croise les doigts pour la suite.